Ce soir, nous allons jouer à Police Simulator avec Maj. Je pense que ça va être très très drôle. L'aide pas d'Izzy de Flo. Voilà, donc grâce à ma super Soundbox, j'ai pu le mute. Il m'a vraiment mute, ce fils ah, de. Ouf, mais Maj, j'ai baisé ta mère, la grosse chauve! Ouais, donc. Le voice changer Ouais, pour faire la radio. Ouais. Allô, tu m'entends, Vélrog, grâce à mon truc de mort. Tu fais bien, ouais. Comment tu fais? J'étais dans la police et du coup, vu qu'on avait pas de budget, j'étais obligé de faire ça. Bon, pourquoi à chaque fois que je lance voice mode, il faut réinstaller le putain de logiciel? Ouais, non, mais il déconne. Après, on l'a payé qu'une fois, donc on n'est pas à plein. Hein. Ouais, mais enfin, 25 euros quand même. Les merdes que t'as acheté, va pas commencer à pleurer sur voice mode quand même. Je déteste le train de la hype quand ça échoue parce qu'ils te mettent, vous avez loupé le train et je me sens. Ah, j'avoue, c'est affreux, gros. Non, mais je me sens. Mais en fait, je me sens pas mal vis-à-vis de moi. Moi, je m'en fous des subs. Je me sens mal vis-à-vis des gens en mode vous les faites culpabiliser quoi. Bah, c'est bon, oui, quoi. En gros, il leur dit ah, regarde, t'as pas réussi à lancer le train de live chez ton streamer. Mais c'est ça, c'est tellement ça. Alors qu'on sait tous qu'ils prennent 50%, c'est donc. Allô, allô. Non, toujours pas. Et là, Maj. Ah, c'est bon. Maj, aujourd'hui, si je t'aime. C'est parce que je t'aime. Tu vois là, c'est là qu'ils sont contents que j'ai investi dans un truc qui permet de gérer la voix des gens. Mais t'as pas besoin d'un truc à 200 balles pour gérer la voix des gens. Bah disons que c'est vachement plus pratique, mec. Hein. Maj, tu m'entends? Je suis dans la chatte à ta mère. Il y a de l'écho de ouf. C'était très drôle. Non, c'est pas drôle. Ma pauvre maman, elle a rien demandé. Qu'est-ce que tu fais de l'écho dans sa chatte? Bon, on joue un peu là où on se branle. Il a 15 ans dans sa tête. Ouais, j'ai pas 15 ans dans ma tête, j'ai environ 6 ans dans ma tête. C'est quoi ce shaming sur les gens qui s'amusent? Ouais, j'avoue. Alors, bon, alors il faut que je fasse des jours de congé, hein. Attends, on vient de commencer, tu veux déjà partir? Oh, il y a une patrouille de voiture là! Ok, c'est parti. Là, vous allez me dire, non, est-ce que ça marche si je fais ça? Ouais, Maj, j'ai une alerte pas loin d'ici. Casser les couilles à Maj, ça marche là? Oui, c'est bon, ça marche, gros. Ok, d'accord, c'est bon, excuse-moi. Oui, bah excuse-toi, Mio. Moi, c'est Roger, et toi? Babas. Bonjour, je m'appelle Roger. Je te fais un bisou, va, mon petit pote. Non, on n'est pas pédé dans la police. Non, t'es un petit pote, oh, la bise. Arrêtez, monsieur. Mec, t'as sorti ton flingue, ça va, le zèle là. Recule! Ok, tu viens te calmer, mon gros. Mais mec, c'est un truc pour mesurer la vitesse des voitures. Ouais, mais comme ça, je vais à quelle vitesse part ta balle et je peux l'esquiver comme ça. Ok, vas-y, go. Eh ouais, mon gars. Attends, je vais taser le voisin. Ok. Apparemment, les forces de police sont... Pression le fait. Les violences policières se multiplient. Attends, viens, on fait genre, je vais le flinguer. Ça va faire trop rire les copains. Ouais, les copains au poste. C'est bon, tu es là? Ah, je crois que je l'ai eu. Ah, t'es mal à la tête, il a un trou dans... Non, c'est bon, c'est parti. Bon, alors, on le fait un peu RP. On va partir ensemble faire une petite patrouille et je vais te donner les ficelles du métier. Bon, alors voilà, vous pouvez visiter un peu. Ici, c'est le parloir. Là, vous pouvez parler aux prisonniers. Ok, il est où? J'interroge. Là, il est là. Ok. 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 C'est bien. Je pense qu'on va bien s'entendre aujourd'hui. Ici, vous avez une charmante damoiselle. Le principe, c'est de l'encadrer très très près. Madame, ça vous dérange pas si je vous passe le radar? Vu à quelle vitesse vous allez, vous êtes un sacré missile. C'est bien, on a fait plus ou moins tous les propos répréhensibles, on n'est pas sorti du commissariat. Oh, tu sais, la police, c'est déconne et pouette-pouette un peu. Hein. Ouais, bah, il faut décompresser un peu, hein. Bon, alors, aujourd'hui, notre mission principale sera de signaler... Merde, ça touche les gens dehors. On la rejoue. J'ai même pas eu le temps de parler. Oups, bavure. Les erreurs, ça arrive. Allez, c'est parti, nous avons changé de quartier. On a été mutés. Nous avons été mutés, rétrogradés. Regarde, Babas, cette voiture est trop proche. Attendez, du trottoir. Attendez, je prends des photos. Ouais, oh, ok, donc là je vais la contraventionner. Elle traverse illégalement, mais qui? Elle traverse! 2-2-3! On est à 2-3! J'intercepte! J'arrive! À terre, toi! Capitaine, je l'ai eu! Elle a traversé illégalement! Ok, ça suffit, Babas! Tu es
Tu es un peu énervé aujourd'hui. Calme-toi, s'il te plaît. Ok. Madame, je vais constater une infraction. Vous avez traversé de manière illégale. Je vais vous poser une contravention. Mon avocat s'occupera de ça. Elle nous menace, chef. On peut la menotter. Elle résiste. Ça se voit, elle résiste, là. Je pense qu'elle... il faut que je lui demande sa pièce d'identité. C'est bien, c'est bien. Montre-moi ça. Tout est en règle, tout est en ligne. Maintenant, suis-moi, Babas. Nous allons constater... Ouais, contraventionner. Donc, quand tu vois... Une voiture qui est hors des parkings, genre là, là... Oh, une personne vient d'abandonner ses déchets. Ouais, Babas, j'ai besoin de renfort. Une personne vient d'abandonner ses déchets. 3-2, 3-2, abandon de déchets. Ok, je crois que c'est la même. Je crois que c'est la même qui a jeté le... Y a un truc, là. Ok, vas-y, arrête là. J'arrive en renfort. C'est bon, je l'ai géré, grâce à mon arme de service. Ok, Babas, je prends le... Je prends la relève. Bonjour madame, comment on se retrouve? Ça vous fera une contravention? Constater une infraction, il était en train de courir. Est-ce que c'était une infraction? Allez, je la laisse partir. Vous l'arrêtez pas? Non, pour des déchets par terre, ça va. Si tu pouvais arrêter de pointer ton flingue. Je trouve qu'il s'arrête vachement plus vite quand je les menace, capitaine. Ok, très très bien. Oh, regardez! Il n'a pas payé son stationnement. Mettez-lui une amende, monsieur Babas. Ok, contrave, ça part tout de suite. Voilà, c'est bien, mon gars. Allez hop, ça dégage. Hey, Babas, si tu veux lui recasser les couilles, tu peux appeler une dépanneuse après. Ouais, mais on perd des points si on fait ça, non? Non, on perd pas de points. On a déjà été muté, hein, pour des conneries. Non, on perd pas de points. Oh là là, il fait de la fumée, lui, il a un véhicule abîmé ou quoi? Mets-toi devant. Ok, c'est bon, je l'ai intercepté. Tu descends, la vioque. Bonjour, madame, je vais vous mettre en garde à vue. Ouais, carrément. Pour infraction du véhicule, car vous avez un pot d'échappement qui fume. Ah oui, non, c'est une vraie, du coup, c'est une vraie infraction, d'accord. Ah, c'est la dure loi. Désolé, mais je ne pense pas. What? Alors, mon arme est chargée, capitaine. Ouais, constatez une infraction. Tu descends. Ta voiture fume, fils de... Contravention. Allez, 300-400 dollars, allez. Voilà, monsieur l'agent. Elle a l'air contente, ah oui. Hein. Là, ça dit officier, ça parle bien. Oh, ça sent l'alcool! Ouais, je vais la dépister, vas-y. Vas-y. Dépiste-la. Parle-lui et fais faire un test de dépistage. Tu vas souffler dans le truc? Et j'aurais... si c'est pas bon, je suis pas loin. Je suis pas loin, je suis prêt là. Je suis prêt là. Elle Oh là là. Elle conduisait sous. En plus, c'est un taxi! Quelqu'un vient de voler un portefeuille! Vas-y, charge-toi de ça! Je la menotte! Tu fais quoi? Non, tu la menaces pas, tu lui mets une contravention pour alcoolémie, je crois. J'aime bien parce que toi, t'es en train d'arrêter un mec. Ouais, bah attends, parce que je peux pas tout gérer, là. Lieu du délit, vol. Ah bah voilà, c'est ça, vol de portefeuille. C'est bon. Oh là là, ils ont besoin de nous. Ok, c'est bon, je l'arrête. Ah mais là, je pense qu'on est les meilleurs officiers du quartier. Mais c'est incroyable. Par contre, il faut que j'ai accepté. Oh, il y a un individu recherché. Oh, c'est bon, mec, on vient de faire une double arrestation là. Quelqu'un vient de vous saluer. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas grave, ça. Tu peux répondre et ça te fera quelques petits points. Mettre en garde à vue. Non, mais pas en garde à vue quelqu'un qui vient de te saluer. C'est quoi ce lèche-cul, c'est? Le suspect s'enfuit. Dégaine ton arme, Babas. C'est moi, Babas. Je vais le taser. Il me semble un peu énervé. Moi, je prends une photo. prends mon photo. Attends, on refait. 3. Oh là là, elle est belle celle-là. Celle-là, elle est belle. Direct au poste. Oh là là. Attends, je vais la prendre en contre-plongée. Ouais, vas-y. Hop, tempérer. Attends, charme mon flingue. Ouais, fais genre, tu l'as buté, ça va faire rire tout le monde au bureau. Ah oh voilà. J'ai eu un succès à force de prendre des photos. Bon, allez, parfait. Demandez la pièce d'identité. Il m'a dit voilà monsieur l'agent. Oh, sa passe d'identité est complètement... Qu'est-ce qui s'est passé? T'as perdu tous tes points de conduite, tu t'es fait révoquer. J'ai perdu tous mes points de conduite alors qu'on a arrêté deux mecs comme ça. C'est pour ça que je t'ai dit de pas trop pointer ton gun ou ce genre de truc, mais si tu pointes ton gun sur un mec innocent, en fait, tu vois, à droite, t'as des points, ça part de 100. Si t'arrives à 0, t'as plus de points, t'es mort. Ah, ok, je pensais que c'est genre si je leur tirais dessus, tu vois. J'espère que notre réputation va pas trop nous suivre. c'est la deuxième fois qu'on se fait... Ok, Babas, c'est la deuxième fois qu'on se fait monter, qu'on se fait muter en... Bon, c'est moi qui conduis, Babas. Babas. Non, c'est moi. Non, Babas, s'il te plaît. Allez, Babas. Vas-y, c'est Babas. Mon premier jour. Babas, justement, tu ne sais pas conduire cette voiture. Si je veux pas que tu passeras pas, crois-moi. Oh! Putain, mais quel gros débile! Oh, il y a un coffre. Qu'est-ce que vous avez fait, Capitaine?
On a un coffre, c'est ton premier réflexe. Je viens d'emboutir un mec qui était garé devant. Ouais, tu l'as vraiment embouti, putain merde. J'ai pas perdu de points par contre. Il y a un ordinateur de police. C'est pour moi l'ordinateur, tu conduis pas, tu fais pas de l'ordinateur en même temps, d'accord? Vous venez d'emboutir ma voiture. Je suis pas sûr que ça va passer ça, chef. Vous avez des feux de position arrière défaillants, madame. C'est ça? Alerte rouge, alerte rouge. On accepte, on accepte, on accepte, on repart. Ok, c'est parti. Première à droite, chef. Mettez la sirène, go, 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 go. Ouais, ouais. Ok, à fond, à fond, à fond. Je sais pas... Non, c'est quel... Oh là 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 là. Vous vous en souvenez quand vous m'avez dit je sais conduire cette voiture? Oh là là, le bazar. Allez, arrêtez-vous, capitaine, je veux descendre. Oh là 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 là, mais bonjour. Le bazar. Donc, vous, vous allez prendre des photos des voitures. Quand vous prenez une photo, vous remarquerez que... Tu vois les trucs je vois. Toi, tu vas faire ça et moi, je les interroge. Ok, c'est parti. Bonjour, monsieur, je vais vous demander votre pièce d'identité. Oh, mais vous êtes des débiles mentaux ou quoi? Doucement. Ok, c'est bon, il est bon et tout est bon. Elle fait quoi, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi souffle, elle souffle. Oh, il conduisait sous l'influence de l'alcool. Oh là 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 là. Attends, mais faut qu'on arrête tout le monde, là. Oh, il y avait un concombre dans sa porte avant gauche. Comment ça se passe de ton côté? Elle comprend pas comment l'accident s'est produit. Du coup, je suis inquiet parce que je me demande si elle conduisait vraiment. Que dit le test d'alcoolémie? Vous soufflez dans le test d'alcoolémie, s'il vous plaît. Est-ce que tu as contrôlé son identité, s'il te plaît? Négatif, je la contrôle tout de suite. Nous sommes le 7 mai 2020, il faut que tu contrôles la date. Expiration 2022, je pense que c'est bon. Ok, c'est bon, et son assurance également? Assurance valide, le numéro de la plaque du van c'est 5XF88. Nous allons pouvoir procéder, tu peux lui donner son compte rendu. Ok, je la tase. Voilà, j'arrête le monsieur pour conduite en état d'ébriété. Est-ce que tu l'as arrêté? Pourquoi tu veux que je l'arrête? C'est toi qui l'arrête. Non, mais tu dois arrêter l'autre aussi parce qu'elle conduisait trop vite. Tu m'as dit de lui donner le procès-verbal, elle est partie. Tu m'as mais dit mais qu'est-ce que tu fous? Arrête-la, elle est mort, arrête-la! Elle se barre, j'arrête! Alors, mettre en garde à vue? Oui, mets la en garde à vue, Babas. Selon le témoin, elle allait trop vite. Bon, après, y a un mec qui t'a dit qu'elle allait trop vite, on n'y peut rien, tu vois. Il a oh, c'est pas grave, c'est pas grave, vous êtes mignonne, madame, vous pouvez bien partir. Bon, par contre, maintenant, il faut qu'on libère le passage. Vol de portefeuille! Où ça, où ça? Go, 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 go! Il est parti, il est parti! Il est là-bas! Il est là-bas! Open fire! Non, t'es sûr que c'est elle? Ah ouais, non, ah non, mais attends, mais mec, on a fait du cardio à l'école de police, tu devrais l'attraper là. Ouais. Vas-y, cours! Bravo! Mais capitaine, je l'ai mis la main. Vas-y, je te prends en photo! Oh là là! Eh, photo de profil Facebook ou quoi? Oh là là, je vous prends en photo là! Ah, c'est chaud, Babas! Sa mère, elle a un couteau de cran d'arrêt. Ouais, alors tu peux la contre. C'est bien mon Babas. Par contre, t'as pas récupéré le portefeuille. Je crois que je l'ai. Hein. Je l'ai fouillé en tout cas. Au pire, vérifie, je vais voir la dame et je vais lui dire vous avez. Vas-y, essaye. Je veille sur le suspect. Je la maintiens en. Rendre le portefeuille. Voilà, madame. Bravo, c'est ça mon gars. Vous pouvez m'appeler Superman. Oh mon dieu, l'état de la voiture. On vous l'avait dit qu'on vous aurait, madame. L'état de la caisse. On va ramener ça au garage, on va se faire enculer. Hein. On a un peu tapé, on va dire. Ça arrive. Ah putain, l'état de la caisse. Mon après, dieu. L'intérieur, il est impeccable. Hein, J'ai mal au ventre. Ok. Oh. C'est quoi ce bordel? T'as bugué, je pense. Tu vois Interstellar? T'es avec moi, mec. On est bloqué dans la matrice, fais la langue. Moi, je quitte. Ah oui, non, ça m'a tout cut, du coup. Mais ouais, je te vois aller tout doucement, là. Ah bah voilà, on est de retour dans le monde réel. Je m'en vais, fais la langue. Mais attends-moi. Oh. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? On m'a tiré dessus ou quoi? Mec, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous tape et on fait des pointes à 200. Mais c'est bugué, ton truc. Moi, je vois tout bien. À gauche. À gauche. À gauche. Y'a un buisson là. À gauche. Un peu plus à gauche. Un peu plus à gauche.
Oh, véhicule qui a pas utilisé son clignotant. Interception. Fonce, fonce, fonce. Comment on l'arrête? Bah, mets-toi devant lui. Je... oh là là, on a fait une pointe à 400 km/h. Mais attends, mais... Arrête, c'est bon, c'est bon, il a compris, il a compris. Tu me la tases instantanément. Je peux pas sortir, tu m'as coincé. Je peux pas sortir. Bloqué. Ah oui, carrément, tu la tases dans la balle. Non, mais là, c'est pas ouvert. Mais attends, mais elle est arrêtée, là. Ouais, non, regarde, elle roule, c'est plutôt une tourne. On a fait bugger le jeu de ouf. Mais elle est minuscule, t'as vu la taille qu'elle fait par rapport au volant? Peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à l'arrêter, elle est mineure. Madame, descendez du véhicule. Je crois qu'elle refuse d'obtempérer, là. On va faire la fumée, hein. Oh, vas-y, défonce-le, mets-lui plein d'amendes. Hop, ça dégage, 3000 balles. Ensuite, je lui mets une prune parce qu'il a une mauvaise couleur aussi. Ouais, c'est quoi, très, c'est bien. Là-bas très, très bien. C'est quoi ça là-bas? Regarde, il y a un truc qui va vite à 200 km là-bas, t'es où? Où ça, où ça, où ça? Bah monte. Regarde. Oh là, tu disparais, t'apparais, mec, c'est Oh, y'a une voiture qui fume! Mets-lui le panneau de police! Mets-lui le panneau de police! Intervention, tu t'arrêtes! On va se ranger sur le côté, s'il vous plaît! Tu l'as buté, mec? Merde! Je voulais tirer dans ses pneus! Non! Ouais, non, mais ça, c'est... il va plus rester beaucoup de quartier, on va pouvoir se faire transférer à la fin. J'avoue! Oh là là, le relou. Tu sais, c'est un peu comme la vieille école, c'est celle qui est un peu raciste, sexiste et tout, tu vois, regardez. Regardez ce qu'il me fait, il me fait marcher parce que voilà, je suis nouveau, il veut me bizuter. Non mais c'est, voilà, c'est la vieille école, c'est un peu tout ce dont on souhaite se débarrasser dans le monde, hein. Remettons en question un peu, hein. Oh, j'ai entendu un accident pas loin d'ici. Ils se sont accidentés! La voiture bleue avait absolument rien fait! Bonjour monsieur! Cette personne a tourné sans utiliser de clignotant. Comment ça, il a tourné sans utiliser de clignotant? Quel mensonge! Mais c'est toi qui as tourné! J'étais devant tes yeux, fils de... Agent de la paix avant tout. Oh putain! Il était drogué! Il était drogué, le mien! Le mien aussi, positif au THC! Et moi, il est positif aux amphétamines! Et monsieur, je vais vous fouiller pour voir si vous avez de la drogue. Passe vaccinale, s'il vous plaît. Ok, alors apparemment, il s'appelle Zhu Dongchan. Ah ouais, il a une bonne tête de Zhu Dongchan en plus, c'est ouais, bien. Je pense qu'il y a une tourloupe, hein. Il a un couteau bébert. Il est vraiment un fond, lui, hein. Oh là là, il est dangereux. Okay, là, je pense que je peux le palper, là. Je vais fouiller la voiture. Là, je palpe, j'y vais. Palpe fort. Il a encore un couteau. T'es Jack Sparrow, quoi. C'est quoi? Oh, je viens de trouver un autre objet illégal dans la voiture. C'est quoi, là? Oh, c'est qui, ce mec? Non, il est sous cannabis. Mets-lui les menottes. En plus, il glitch dans sa voiture. C'est hyper dangereux. D'abord, je lui mets le procès verbal et maintenant, je le coffre. Mec, on est tellement efficace. On n'a pas besoin d'aller chercher. C'est le délit qui vient à nous, en fait. Ouais, c'est une ville où il y a beaucoup de problèmes. Oh là là, je veux pas qu'on aille ailleurs parce que là, il y a toute une intervention police, il y a deux camions, ok, il y a des flics, il y a des dépanneuses, il y a tout, ouais, c'est un peu le bordel, allez, c'est bon, ok, d'accord. J'ai toujours aimé faire ça. Oh là là, le bazar. Alors moi, je sais pas chez toi, mais chez moi, ça, genre, ça rame. Let's go. On a des chutes de FPS ici, mon gars. 100 km. Oh là 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 là. Y'a un suspect recherché. Papa, babas, je suis en inter. Ok, j'y vais tout seul. Allez, à terre! Je fonce! On se retrouve tout à l'heure, je te récupère! Ouais, le partenaire que je me trimballe quand même, le chat! Mais c'est quoi cette voiture? On dirait une savonnette! Regardez, c'est le remake de Yakuza, le mec! Il a deux couteaux à cran d'arrêt! Mais je la trouve pas! Écoutez, moi j'en suis à deux arrestations, là, pendant ce temps, vous courez après une jeune fille de 23 ans. Ouais, mais c'est un suspect dangereux! Un suspect dangereux, je suis pas sûr, hein, monsieur Babas, je pense que vous foutez de ma gueule, hein! Je crois que c'est elle! Non, non, on a perdu des points, donc je crois pas, hein! Non mais je l'ai pas touché. Ça n'a pas l'air d'être vous. Eh là, regardez comment j'enchaîne. Eh. Attends, c'est elle. C'est pas Filron qui ferait ça, hein. Mais non, c'est pas elle, putain. Mais elle est où, Louisa? Quand j'aurais mis des contraventions à toute la terre, j'en aurais été... Mais elle est où? Eh, là-bas, je la vois. Je sors mon flingue. Ah, fais pas de bavure, hein. Elle est trop loin. Mais je suis en train de la voir. Tu viens de traverser illégalement. Contravention, allez hop là. Bon, c'est pas Valdel Louisa, mais Je te rappelle que tu es en inter et que tu dois arrêter un suspect. Mais je la trouve pas, je sais pas où elle est. De dépit, je mets des contraventions. Ouais, bah je fais pareil, t'inquiète. Enfin, depuis que mon collègue m'a abandonné, je suis à pied. Oh non, il y a une nouvelle position sur... Je fonce. Tu t'es fait semer par une petite de 23 ans. Non, t'inquiète, babasse. C'est un peu la honte. Oh les gars, là. Et c'est parti. Eh, le trou de la sécu, je vais le remplir, moi, je vous le dis tout de suite. Oh là, la fille... Elle est là. Je la vois. T'as fallu que 4 ans pour l'attraper. Non mais je l'ai toujours pas parce que je galère de ouf avec la voiture. Alors. C'est bon, elle est là.
Ok, attends, je vais lui dire. Je vais la freeze. Stop, immediately. On bat les couilles, frère. Elle veut pas s'arrêter. Stop, I don't want to shoot you. Ok, je veux pas te shoot. Attention, Babas, pas de bavure, hein. Allô, Babas, ouais. Je viens d'arrêter un suspect. Elle a de la marijuana. Elle a un flingue. Ok, j'envoie toutes les unités sur toi. Tu te rends compte que j'aurais été plus rapide à trouver une autre bagnole à te retrouver quand même. T'as pris une autre voiture? Bah non, bah attends, mais j'étais à l'autre bout. Bon, je l'arrête pour port d'armes. Bon, elle était recherchée quand même à la base, je vous rappelle. Hein, Ouais, complètement. Comment ça, please no? Bon, ça peut s'arranger, mais... T'as pas 10 balles sur toi? Ça marche pas comme ça. Si tu veux faire ce genre de truc, il faut plutôt lui demander si elle accepte de payer en nature. Oh là là. Wow, j'ai moins 75 PT. CP, pourquoi? Je pense que tu l'as arrêté pour les mauvaises raisons. Elle avait un permis de port d'armes, je pense. Attends. Non, mais c'est trop tard. Hein, c'est bon, je peux call off le truc. Attends. Call off duty. Ok, alors attends, on va faire enlever les menottes. Ah, carrément, tu la libères. Non, mais je vais lui remettre pour l'arrêter pour une autre raison en fait. Le suspect a été repéré près de votre position actuelle. Ouvrez l'œil. Mais oui, elle est là, elle est sous mes yeux. Comment on fait? Mais en plus, elle a pas de permis de port d'armes, donc j'avais raison en fait. Oh, le moins 75. Alors que c'était un suspect. Je pense que t'as fait une erreur de débutant, t'as paniqué quoi. Ouais, un peu, ouais. Une wallette! Elle est ça? Et la petite dame en bleu là, chope-moi ça. Gros problème. Vas-y, okay, j'y vais au problème. Pourquoi c'est toujours toi qui fais les trucs fun avec moi? Je me tape tous les voleurs de portefeuille, tu sais. Ouais, j'avoue. Mais c'est toi qui m'a dit que tu voulais. Mais parce que tu fais pas semblant, de pas les voir les voleurs de portefeuille aussi toi. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un accrochage. Bonjour monsieur. Non, votre voiture est glitchée dans le sol. Oui, c'est bon, le piéton ça a marché. Ah non, mais c'était toi ça. Oui, c'est moi. Pendant que toi tu te balades, moi je taffe là. Bon, Babas. N'oublie pas grâce à qui tu as eu ce taf. Ouais, bah je n'oublie pas à cause de qui je peux le perdre aussi, hein. Je vais quand même vous demander votre pièce d'identité. Le monsieur n'a pas d'assurance. Donc ça va partir sur une contravention. Oh là là, la bagnole est dans un état. Je vois que t'as pas pris en photo les trucs. Tu fais ton taf à moitié encore, ça y est. D'abord, on interroge et on met à l'aise les personnes. Ça, c'est bien des paroles de prédateur. Hein. Lui, il a un petit logo handicapé, mais est-ce qu'il est vraiment handicapé? Les fouiller, je sais pas si t'as le droit, si t'as rien repéré en alcoolémie et tout. Bah là, il roule avec un étiquette handicapé. Généralement, il, tu il est peut-être handicapé, il est peut-être vraiment handicapé, mec. Arrête. Ok, Babas, il faut que tu te calmes. Les handicapés, on n'y touche pas à la police. Il faut qu'on travaille sur notre image, donc toutes les minorités visibles, on y touche pas. Ok, donc je dis rien pour les 28 grammes de marijuana dans le coffre de l'autre, là. Ça dépend, est-ce qu'il est arabe? Terminé. Il est en train de sauter mes jambes. Monsieur, je vais vous demander de ralentir. Il vient d'écraser, tu dis rien, toi. C'est bon, l'accident est fini. J'ai cru qu'il y avait un autre accident, c'était juste nos voitures. En vrai, je trouve que pour des policiers US, on n'a pas fait beaucoup de bavures. Hein. Oh putain. Oh là, moi elle fume mon gars. Oh là là, mais c'est une savonnette. Non mais heureusement la journée est bien finie, bientôt finie. Toutes les unités, je répète toutes les unités. Ok, il faut trouver Olivier Jexy. Le signalement a disparu, c'est normal. Elle a dû se désintégrer. Ouais, ça arrive souvent dans ce métier. Mais arrête Bah voilà, chais. Allez hop là. Allez, au revoir. Bonjour monsieur, vous allez être en garde à vue. Vous n'avez pas mis votre clignotant. Il y a une jeune femme de type jupe courte qui vient de voler un portefeuille. Je la prends, chasse. Oh là là, mais les vols de portefeuille dans cette ville, il y en a trop là. C'est Gotham City ici. Attention. C'est arrêté. Ah, j'ai perdu 20 points pour l'avoir tasé quand même. Apparemment, je suis pas obligé de taser les gens. Non. Je rentre au poste. Affirmatif, j'arrive. Je me gare en toute sécurité. Mais putain, espèce de gros débile. je crois que c'est ta voiture qui est morte. Mais non, tu vas foncer dedans. Putain. Bon, écoute, pour moi, j'étais bien garé. Hein. C'était toi le problème, gros. Bon, alors on va prendre celle-là parce que celle-là est à pied. Ça m'empêchera pas de trouver des bagnoles, hein. Bon, Babas, tu me casses pas les couilles aujourd'hui. J'aimerais bien avoir mon salaire, moi. Nouvelle journée, nouvelle vie. Je pense qu'on peut y arriver. Mais mec, ouais. ça fait 4 fois que tu fais échouer ce truc. Oh non, tout à l'heure c'était toi, arrête. Ouais, c'est vrai. Mais là c'était toi et les autres fois avant c'était toi. Bon, vas-y, Babas, ça sert à rien de se battre.
Il nous faut des contraventions là. Ah bah là je contraventionne hein. Bonjour monsieur, je suis de très mauvaise humeur. Ok, vas-y donne-moi ta pièce d'identité. Dites-moi chef, vous avez le ok parce que vous êtes bourré ou... J'allais parler de ta mère Babas, mais ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. Je me suis dit bon, j'allais pas le faire. C'est vrai, c'est sympathique de votre part hein, surtout venant d'un mec qui peut pas s'empêcher d'être déchiré là-haut. Ça sent l'alcool monsieur. Je crois que vous avez bu, ça va très très mal se passer pour vous. C'est bon, le procès verbal est approfondi, Babas. Ça peut y aller, monsieur. Je vous remercie infiniment pour votre coopération. Constater une infraction, conduite en état d'ébriété, c'est directement les menottes, ça, monsieur. Hop, objet légal, capitaine. Ouais, t'inquiète. Conduite en état d'ébriété, ça devrait suffire à l'envoyer en prison. Il a un couteau à cran d'arrêt dans son cul. Ok. Parfait. Je pense que nous pouvons quitter la place. Je suis fier de nous, je pense qu'on a bien bossé. Oh y'a un mec qui est con là. Calme-toi tout de suite. Ah mais c'est toi Babas. Montre pas ton pignolet vers tous les gens comme ça, après on va se faire sanctionner. Il a pas de photo. Viens Babas, on y va. Ok, elle s'appelle Van Leeuwen Elena, il va falloir qu'on contrôle là. Féminin, asiatique. Ouais. Cheveux jaunes, chemise rouge. Pantalon bas. Ouais. Elle est armesque. Oh là 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 là, ok. J'ai besoin d'un renfort, s'il vous plaît. Merci de me renforcer. Compréhensible, j'arrive afin de renforcer la force de frappe de l'équipe. Un pantalon marron. Ah non, c'est pas elle. Ok. Fais comme dans QS. Tu cherches une asiatique. Ouais, les QS, c'est le QS. Chemise rouge, cheveux jaunes, pantalon marron. Non, c'est pas elle. Je suis actuellement en recherche du suspect. Il y a un véhicule qui fait du bruit qui arrive vers toi, un genre de pick-up là. Ouais, mais là, nous cherchons un individu armé. On a d'autres choses à foutre. T'as conscience que t'es plus dans la zone là, bébert. Positif, j'arrive. J'arrive, Babas. Quelques minutes plus tard. Là-bas, je vois une femme avec un. Chemise rouge. J'ai trouvé le suspect. Circuit. Attention à pas faire usage de ton arme de manière exagérée. Attention. Vérifie bien qu'elle soit asiatique. Ok, c'est bien ça. Elle est asiatique, cheveux blonds. Elle correspond à tout. Ok, t'es en train de t'énerver là. Je vois que t'as les jambes qui tremblent. Ouais, je me calme. Oui, on a eu 180 points. Ce soir, on touche le salaire. Après 25 patrouilles, 12 mutations. Oh madame. Vous faites la pute sur le trottoir. Non, je rigole, c'est juste votre façon de vous habiller, lol. T'es sérieux, là, streaming, chef? Tu sais qu'on a plus le droit de faire ça depuis 2019 On va supprimer la rediff de Slave. Bonjour, monsieur, votre véhicule fume plus que la mère de Mage. Oh, l'enculé de ta race, toi, je vais tirer sur tout le monde. Ça sent l'alcool. Comment ça, sent l'alcool? Qui c'est qui pue l'alcool ici? C'est toi, Philong? Ça, je pue un peu toujours l'alcool, hein. Conducteur, pièce d'identité périmée, voilà. Tu vas bien niquer ta race, d'accord? Au revoir, madame. J'espère que vous me mettrez une bonne note sur police.com. Oh, le poivreau. Eh? Ça a bu du chardonnay, à ce que je vois. Eh? Le brunch, il était arrosé? Pourquoi j'ai eu moins 20 CP? Je l'ai visé avec un pistolet, c'était pas un criminel. Mais si, c'était... Bon, ok, mec, il me reste que 20 points, je peux pas bouger. Arrête de faire des conneries, là. Laisse faire les pros, d'accord? Ok, je laisse faire les pros, ouais. Arrête d'arrestation, madame. Mais putain, mec, t'es sérieux? Quoi? J'ai pas eu le temps de fouiller et tout, là. C'est bon, là, tu l'arrêtes déjà, là. Et tu niques mon bise. Heureusement que j'étais là pour gérer. On rentre à la maison parce qu'on a fini notre première mission. On n'a pas été muté. Oh là là, on a géré, ça y est. Et ça nous aura pris 2 heures. 2 heures. Bon, j'espère que vous êtes bien amusés, parce que nous, on a bien rigolé en tout cas.